Dans cette vidéo, les gars, je vais rester assez général. Je vais pas rentrer dans du spécifique, dans du technique. Je vais pas vous dire acheter ce produit parce que c'est pas le but. Le but, c'est juste de vous donner des généralités pour que quand vous allez dans un magasin spécialisé comme celui-là, l'idéal, c'est quand même de demander des conseils à un spécialiste, mais que vous puissiez vous faire déjà une idée de ce que vous allez prendre. D'ailleurs, je tenais à faire un grand merci au Choulanka d'Aix-en-Provence qui m'a ouvert ses portes pour que je puisse tourner cette vidéo. Donc, encore une fois, un grand merci à eux. C'est un magasin rempli de spécialistes, donc n'hésitez pas à y aller pour tout renseignement sur du matos de randonnée. Autre point très important qu'on va attaquer aujourd'hui, le sommeil. Trois éléments importants pour le sommeil, duvet, matelas et les tentes qui sont juste là et on y reviendra après. Pour commencer, il y a deux types de duvets. Vous avez les duvets synthétiques et les duvets en plume. Avantage duvet synthétique, peu cher et de manière générale, ça résiste un poil mieux à l'humidité que le duvet en plume. Avantage duvet en plume, beaucoup plus léger, beaucoup plus compact. Pour vous donner une idée, un duvet 0 degré en synthétique, ça va être aux alentours de 60-100 euros. En plume, on est plus sur du 250 voire 300 euros. Quand on parle de température confort, c'est une température dans laquelle vous allez avoir chaud. Vous dormez en caleçon dans le duvet, vous allez avoir chaud. Température limite, c'est la température à laquelle vous allez commencer à avoir froid. Donc si vous êtes sur un duvet 0 confort, ça veut dire que 0 degré, vous êtes trop bien. Moins 5 limite, à moins 5, vous allez commencer à avoir froid dans le duvet. Et après, on parle de température extrême qui peut être des fois aller à moins 20 sur des modèles comme ça. Là, c'est la température à laquelle on commence à tomber en hypothermie. Les duvets en plume, faut toujours les laisser dans des sacs de décompression. Et quand vous partez en randonnée, vous partez en mode sac de compression. Faut garder en tête que la plume, c'est hyper compressible, donc ça rentrera sans pression là-dedans. Même si quand on le voit dans son sac de décompression, ça peut faire peur. Encore une fois, je suis pas là pour vous dire acheter ce duvet ou quoi, mais gardez en tête que en fonction des marques, il va y avoir des duvets qui vont être plus ou moins léger, plus ou moins qualitatif, plus ou moins résistant à l'humidité. Je pense par exemple à Valandré qui, pour le coup, utilise des plumes et du duvet qui est plus gras que la moyenne, donc plus résistant naturellement à l'humidité. Ou Rab qui, par exemple, utilise un traitement chimique pour rendre les plumes résistantes à l'humidité. Ou des marques comme Thermarest, aussi tout ce mythe, qui font des duvets quand même assez light. Et toutes ces choses-là, ça va faire varier le prix. Donc, des fois, vous allez regarder deux duvets qui sont tous les deux moins 5 degrés confort. Vous allez dire pourquoi celui-là, il vaut plus cher que celui-là. Il faut regarder le poids, il faut regarder la compressibilité. Ça se mesure en cuine, ça. Et c'est tous ces éléments-là qui vont faire varier le poids. Pour les duvets, il faut prendre un duvet ni trop grand ni trop petit. Parce que si vous avez un duvet qui est trop petit, le froid pénétrera directement au niveau de vos pieds. Parce qu'il faut un minimum de couche d'air entre votre pied et votre duvet pour faire isolant. Et à l'inverse, si vous avez un duvet trop grand, vous allez avoir trop d'espace à chauffer pour rien. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vous qui chauffez le duvet en soi. Donc il y a plusieurs types de tailles, en tout cas sur les duvets plumes. Pensez à bien vous renseigner auprès d'un professionnel pour prendre la bonne taille, pas un duvet trop grand ni un duvet trop petit. Vous avez des zips droits ou des zips gauches. Si vous êtes droitier, mieux vaut partir sur un zip gauche. Et si vous êtes gaucher, partir sur un zip droit. Dernier point sur le duvet, j'ai oublié que certaines marques proposaient des duvets jumelables. Donc ça veut dire que si vous prenez un zip droit, votre moitié devra prendre un zip gauche par exemple pour que ça soit jumelable. Ensuite, pour le matelas, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a le Air Value à regarder. Le air value, c'est la capacité du matelas à vous isoler du froid du sol. Vous aurez beau avoir le meilleur duvet du monde, résistance moins 15 degrés, confort, etc. Si vous avez rien pour vous isoler du froid du sol, il n'y a rien à faire. Le froid, il pénétrera dans le duvet quoi qu'il arrive. C'est comme une maison. Le duvet, c'est votre chauffage. Le matelas, c'est les murs avec l'isolant. Si vous chauffez mais que vous n'avez pas de mur, ben vous chauffez à blanc. Donc bref, il y a des air value. Air value 1, c'est à peu près d'une saison. Air value 2, à peu près 2 saisons. Air value 3, à peu près 3 saisons. Air value 4, à peu près 4 saisons. Pour du moins 20, par exemple, pensez à prendre peut-être un air value quand même 5, 6, 7 à peu près. Ça dépend de la frilosité de chacun, mais en gros, c'est ça l'idée à peu près. Et ensuite, en termes de confort, ça va être attesté en fonction des marques, en fonction des formes. Par exemple, ici, j'ai un modèle avec des boudins verticaux. Ici, en forme de tablette de chocolat. Ici, entre guillemets, à trous. Bref, il y a un peu toutes les formes. Ça participe aussi au air value, mais aussi surtout au confort. Donc, ça, ce sera testé en magasin. Pour les tentes, vous avez des 1 place, des 2 places, des 3 places. Ça va dépendre de vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des 2 places pour partir tout seul, pour faire entrer le sac à dos ou pour avoir plus de volume, pour pouvoir faire à manger quand ils se retrouvent dans des situations de tempérie, etc. pour pouvoir manger, pour pouvoir se mettre à l'aise, pouvoir s'asseoir dans la tente. Ça dépend de chacun, de vos ambitions. 3 places, ça sert un peu quand même à rien. C'est peu fait parce qu'il y a peu de demandes. Ça reste vachement casual, donc acheter une tente assez chère pour 3 places, c'est pas vraiment utile. Sauf si vous partez régulièrement à 2 et que vous voulez avoir un peu plus de place dans la tente, mais ça va faire beaucoup grimper le poids pour pas grand chose. Bref, dans les tentes, vous avez 3 types de tentes. Vous avez les autoportantes, semi-portantes et les non-portantes. Autoportantes, ça va être les plus lourdes de manière générale, mais vous avez l'avantage d'avoir un arceau qui va tenir entièrement la tente et vous pourrez piquer avec des sardines pour un petit peu agrandir, rajouter un peu de robustesse à la tente pour avoir moins de prise au vent, ce genre de choses, mais c'est pas nécessaire. L'avantage des autoportantes, c'est qu'elles sont vraiment polyvalentes dans le sens où du coup, vu qu'on n'a pas besoin de planter de sardines, on peut les installer partout, dans la neige, dans le sable, dans les cailloux, où on ne pourrait pas planter de sardines en fait. Ensuite, vous avez les semi-portantes, elles sont en général un peu plus légères. À prix équivalent, vous aurez des modèles qui sont déjà plus légers, donc
Donc elles auront des assauts qui les porteront, mais pas intégralement. Faudra aussi les tendre avec les sardines pour même pas gagner en place, mais pour avoir juste la place prévue pour cette tente. Et aussi pour avoir une résistance au vent, parce que je sais qu'il y a des modèles en semi-portante qui ne résistent pas du tout au vent. Et après, vous avez les tentes non portantes qui, pour le coup, en général, sont montables avec l'utilisation de bâtons de randonnée. Là, pour le coup, vous êtes sur des modèles qui sont assez light à prix équivalent, mais par contre, peu de résistance face au vent, manque de polyvalence dans le sens où, si c'est pas un terrain adéquat, vous ne pourrez pas du tout monter la tente. Vous avez un dernier type de tente que j'ai oublié de parler, c'est les tentes tunnel. C'est des tentes qui sont ultra basses, ultra light, pas si cher que ça. On dit au revoir au confort, mais par contre, en termes de volume et en termes de poids, c'est imbattable pour le prix. Ça convient surtout aux gens qui font du cyclisme de manière générale. En montagne, ça s'utilise très bien aussi. Dernier point, avec tout ça, vous avez des tentes monoparoi et double paroi. Double paroi, ça veut dire que vous avez la moustiquaire et le revêtement qui va vous protéger de la pluie. Monoparoi, c'est quelque chose qui fait les deux. Monoparoi, ce qui va se passer, c'est que c'est plus léger. On va se retrouver facilement avec de la condensation un peu partout, parce que du coup, il y a moins d'évacuation de l'air dans ce genre de tente. Donc tout ça à prendre en compte, à faire un micmac en fonction du budget, etc. À prendre en compte que les tentes autoportantes, c'est rare de trouver en dessous de 1,4 kg. Tente semi-portante en dessous de 900 grammes, c'est rare. Et les tentes non portantes, je vous avoue que je saurais pas vous dire. Je connais vraiment pas cette gamme de produits-là. Dernier truc, quand vous achetez une tente, il faut toujours l'acheter avec un footprint. C'est quelque chose que vous allez mettre sous la tente pour protéger la tente de déchirure, d'humidité. Ça va vous apporter un peu plus d'imperméabilité. C'est important de l'accompagner à chaque fois. Sachant qu'il y a des tentes qui peuvent se monter sans moustiquaire et vous ne pourrez pas les monter sans footprint. C'est obligatoire d'avoir et le footprint et la couche de protection. Sur certains modèles, ça peut permettre de passer à 1,4 kg, à voir 1 kg. Donc c'est important d'acheter ces genres de choses en plus avec votre tente. Elles sont nominatives, c'est-à-dire que par exemple, pour ce modèle de MSR, je vais être obligé d'acheter celle-là. Bon, là pour le coup, c'est une 3 places. Et je vais être obligé d'acheter ce modèle-là qui va être compatible avec les modèles qui sont mentionnés là. Dernier point, vous avez l'imperméabilité d'une tente, ça va être aux alentours de 1500, 3000, voire 8000 pour les modèles un peu plus XP. C'est largement suffisant du 3000, sauf si vous partez dans des conditions extrêmes, sachez que le 3000 c'est la base sur une tente. L'imperméabilité se mesure sur l'échelle de Schneider, on va en reparler aussi sur les coupes vent. Ça n'a rien à voir entre le 10000 d'imperméabilité sur un coupe vent qui est le strict minimum et le 3000 sur une tente qui est largement suffisant. Ça n'a rien à voir, donc faut pas chercher à comparer ces deux chiffres-là. Bon les gars, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire si j'ai dit quelque chose qui vous semble faux ou quoi. On pourra en parler, en discuter. J'ai essayé de donner des conseils plus généraux sans rentrer trop dans les détails, mais un minimum quand même pour vous éclaircir. C'est vraiment une vidéo pour vous aider, pas pour vous embrouiller. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Encore une fois, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, commentaire, juste même si la vidéo vous a plu, pas forcément pour poser une question ou quoi. Il y a des gros projets qui arrivent. L'année dernière, je vous avais dit ça, on avait fait le tour du Mont Blanc. Là, je peux vous dire que c'est encore un plus gros projet, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, un commentaire. Je vous fais des bisous, c'était à l'exploration. Ciao !